Maurice passera-t-il la nuit enfermé ? Son procès s'ouvre aujourd'hui. Le coq est accusé par des voisins de chanter trop tôt le matin. Mes clients, ils réclament juste la paix et la tranquillité. C'est une résidence secondaire, ce sont des retraités. Ils veulent pouvoir dormir jusqu'à une heure normale le matin. Et ils souhaiteraient que le coq en cause soit ne serait-ce que renfermé pendant la nuit, puisque a priori, c'est la lumière du jour qui déclenche effectivement le chant du coq. Depuis 2 ans, Corinne Feusseau, la propriétaire du coq, est en conflit avec ses voisins. Le couple, qui possède une maison de vacances, a porté plainte pour nuisance sonore. Une accusation incompréhensible pour elle. On a fait doubler en carton, en épaisseur. À l'extérieur, c'est doublé aussi. Il y a une espèce de paroi épaisse de façon à ce que ça ne fasse pas de bruit. Et le matin à 8h30, on ouvre la porte et tout le monde sort. Aujourd'hui, au tribunal de Rochefort, Maurice ne sera pas le seul coq présent. D'autres propriétaires ont en effet annoncé faire le déplacement avec leur coq pour le soutenir.